C'est une journée de prière qui a regroupé les fidèles chrétiens de l'Organisation internationale évangélique du réveil des églises du Tchad. Au cours de ce rassemblement, les fidèles chrétiens ont débattu sur le thème « Proclamer une saison de pardon en vue de la réconciliation pour la nation tchadienne » tirée du livre de Daniel, chapitre 9, verset 9. Au regard de ce passage, le pasteur Mbaitodium Jules Telbe souligne l'importance du pardon et de la prière. Du courrier et de la documentation de la primature indique que les fils et filles du Tchad doivent se donner la main pour la cohabitation pacifique. Ce que nous avons à proclamer, c'est aussi ce que nous devons vivre par notre comportement, par notre façon d'être. C'est à cela que nous pouvons convaincre les autres à agir comme nous. Pour le directeur de cabinet du vice-président du Conseil militaire de transition, la paix et la réconciliation sont utiles pour une nation. Notre pays, nous le croyons par la foi qu'il va évoluer vers la restauration. Ça ne sera plus la destruction. Nos supplications soient vraiment entendues par le Seigneur et que notre pays puisse connaître un moment de paix et de prospérité. Cette journée vise à solliciter l'aide de Dieu en faveur du Tchad, une occasion pour les Tchadiens divisés de se réconcilier.